Et bonsoir, bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. Oh putain, ça a déjà merdé. Capture de périphérique vidéo désactivée, réactivée. Et comme vous le voyez, nous sommes sur. Sur le délire de Bowser. Avec Jamiro. Eh oui. Et coucou. Eh oui, c'était pas prévu, mais ça y est, on va se faire ça. On va enfin terminer cette session sur Super Mario 3D World. Alors, évidemment, il y en aura peut-être d'autres, puisque je crois qu'il y a d'autres mondes. Après celui-là. Bah, après celui-là, il y a deux autres mondes qui sont ardus, mais je sais pas si on les fera. Après, quand c'est trop dur, c'est chiant. C'est le pire, hein, mais... Et on a une drôle de dégaine, moi j'ai... Enfin, t'es en tanuki. Oui. Ah, ouais, j'ai un gros cul, moi. J'ai la silhouette inversée, enfin, c'est très bizarre. Ouais, j'ai un gros cul. J'ai pris Peach et... Jamie et Todd. Ouais. Donc, les gars... Alors, attendez, hein, parce qu'on y va tranquille. On y va tranquille. Moi, je vais me faire une petite ambiance, parce que la toutoune, elle commence à me faire chier. Déjà, voilà. Toutoune, arrête. Hop. Ambiance stream. Ah. C'est moi qui ai fait le bruit. Oui, oui, j'ai entendu. Et salut Mora, et salut tout sec, salut Solène, salut Profpi, salut Erasmus, salut Sirion, et salut Jamiro, et salut Lulunico, évidemment. Arrête Pixie, commence pas à me casser les couilles à chaque fois que je stream. Bon, attends, je reviens, et puis oui. On commence. Bah non, pout pout pout. Non, tu peux pas aller là, toutou. C'est mon gros cul qui doit aller ici. Hop. Et hop. Attends, parce qu'il faut que je chope. Oh, non, non. Mettre le micro comme il faut. Oh là là, ok, bordel, attends. C'est bordel. Yop. Voilà, on avance ça. C'est très bien. On boit un coup et on s'encule. Allez, ça va être parti pour Super Mario 3D World. Hop, pousse-toi toute. Allez. Allez. Oh, elle veut pas me laisser la place, la connasse. Mais t'as pris ta place. Mais laisse-moi ma place, doudoune. Va là-bas. Va sur le côté. Oh, mais putain, elle veut pas bouger son grand cul. Mets-toi là. Voilà, c'est bien. Couche-toi là, poule. Ah oui, t'es bien là. T'es mieux quand même. Ah, voilà. Bon, oh merde, y'a un autre truc que j'ai oublié de faire, c'est que je vois pas le chat. Salut Eternien, comment vas-tu? Attends, je bouge le chat. Hop. Et Pixie va reprendre sa place. Et Pixie va reprendre sa place, évidemment. Non, c'est bon, je vais juste le mettre un peu gros. Et voilà. Ah, oh, putain. Ça y est, tu t'en sors. Ah, ça y est, on s'en sort. Bah, c'était pas un stream qui était prévu. Donc, on fait comme on peut. Hein. Arrête de me lécher, toutou. Alors, qu'est-ce qu'on a pas fait ici? Celui-là. De quoi? Celui-là, ouais. Celui-là, là. Eh ben, go. Eh ben, go. C'est vrai que je regarde le retour du stream et à chaque fois, j'oublie qu'il faut pas que je regarde ça quand y a le jeu. Ah bah non, sinon t'as un quart d'heure de décalage, hein. Oh là là. Attends, faut... Voilà. Si t'es revenu à temps, Ronmad, on vient à peine de commencer. Oula. Ah. Oula. Bon bali. Oh, j'ai pas l'habitude avec elle. J'aime pas son côté... Flottant. Ouais. Oh là 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 là, ça me déstabilise. Attention, il y a un mec. C'était sûr. Hein? Il y a un truc là. Oh, une étoile. Là, c'est moi qui l'ai prise. Vas-y, faut buter tous ces mecs. Merde, je suis où? Oh putain, on s'est mélangé la gueule. On s'est mélangé la gueule. Salut, Rodman. Oh putain, comment on s'est mélangé la gueule? J'ai cru que j'étais de l'autre côté.
Oh putain, ça commence bien, bordel. On est pas près on est pas près de le buter, Bowser. Oh, Dieu. Ah oui, toi, t'es devenu petit. Petit comme un champignote. Oh non, fais pas ça. Oh la vie. Ah mais t'as vu, on a perdu nos personnages comme ça. Ah mais clairement, là, on les a confondus tous les deux. Alors, tiens, tac, et le mien, hop. Ah oui, quand tu me touches, tu... D'accord, c'est pour ça. D'où la contamination. Attends, là, je regarde bien mon perso. Yes. Voilà, on a buté... Ah, attention, il y a encore des mecs. Oh, il y a une étoile. Oh, non, on peut pas s'accrocher. Oh putain, quelle merde. Attends. Vas-y. Oh purée. Oh. je suis arrivé sur le bord. Hein. Non. Mais quelle connasse, hein, cette Peach. Je sens que tu vas changer. Mais on a déjà plus de vie. Ça commence bien. Oh, qu'est-ce qu'on est teubé. On aurait dû se buter tout de suite, en fait. Je crois qu'il y avait pas beaucoup de vie. Ouais, oh. Oh, les gars. On croit en toi, Jamy, du verbe croire, bien sûr. C'est où le truc? Après, vous faites ce que vous voulez. Mais... Ah non, mais il va falloir récupérer une étoile. En privé. En privé, c'est comment ça? Du verbe croire, je veux dire. Ah. Pas du verbe croître, bien sûr. Ah. Allez, je vas-y. Oula. Oui, oui. Bravo. Ah. Allez, ils te font pas peur, ces mecs. Oh, je vais mourir à cause du champignon, alors je suis un champignon. Gatso. Ah, tu peux prendre un truc, c'est encore mieux. Allez, bourrine. Tout ça pour une pièce. Oh. Oh là là. Oh là là, évidemment. La route. Ouais, ouais. C'est plus facile à 1, hein, quand même. Mario 3D World. Vivement Wonder. Ah putain, vivement Wonder. Mais je sais pas, est-ce que c'est un jeu qu'il faut pas découvrir seul au départ et puis après on le fait à deux ou à... Tu vois, j'arrive pas à me dire... Ouais, c'est un jeu qui a l'air d'être fait pour le multi, d'ailleurs. Ah ouais. Ah bah, limite, bah écoute... Limite, ça peut être sympa de le découvrir à plusieurs. Ouais. Comme ça, on a la première pour tout le monde, quoi. Bah, on sera ça nous deux, hein. Moi, je comptais le streamer, de toute façon, donc... Mais... Coucou. Attends, il y a... On a... Alerte raid. Voilà, alerte raid. Il va falloir remercier la personne puis faire rester les viewers pour qu'ils follow sur Twitter avec les couleurs. On va remercier la... Merci pour le raid. Et coucou, Laura. Comment ça va, Laura? Elle arrête pas de nous faire des raids et on peut pas lui rendre. Et ça, c'est frustrant. Parce que elle finit plus tôt maintenant. Ah. Et oui, elle finit plus tôt. Et tant qu'elle finira pas Mickey, voilà. Bon, le nouveau Mickey là? Mais non. Mais quoi, il y a un nouveau Mickey qui est sorti? Oui, mais non. Je dis, elle finit plus tôt ses streams, connard. Comment ça va, Laura? Mais il est con, il a vraiment cru que... Hey, j'ai fait un calembour, il a cru que tu jouais à Mickey. Pas calembours. Bon bah moi, hein, je me suis fait niquer la gueule très vite, hein, donc il va falloir qu'on me rende des vies. Et j'ai oublié une étoile, j'avais pas vu qu'il y avait du temps. Et je reviens quand, moi? Ah, t'es revenu, là? Ah, ouais. Ah bah moi, je me voyais pas encore. J'espère que ça s'est bien passé, Laura, sur ton live. Surtout qu'il y a un nouveau jeu Mickey qui est sorti le 28, hein, donc ça, j'ai pas rêvé ça. Ah oui, attends, je l'ai vu passer, je crois. Je l'ai vu passer, et ouais, effectivement, bah je sais pas. Bah, t'étais peut-être sur Mickey, en fait. Ah, on a un deuxième raid. Merci pour le raid. Et merci Kouasama pour ton raid. Tu étais sur DBD. Je suis passé un coup vite fait. Juste avant de démarrer le stream. Et oui. Bon, elle. Tiens, voilà. Bon, je lui mets sa mère. Ah, mais j'entendais que toi, moi, sur ton live. Bon, bah, c'est bien, mais on n'a pas eu les 3 étoiles, mon gars. Hein.
Ouais. Il était pas compliqué celui-là, hein, ça allait. Il était pas compliqué, au pire on y retournera, mais on va déjà s'atteler à celui-ci. Le représentant du mal incarné, Mickey. Je suis assez d'accord avec ça. Non, c'est pas le dernier. Non. Non ! Bah ! Qu'il est con ! Ah, je m'y attendais pas. Ah putain, non. Mais comment on va faire ? Eh ben, faut sauter ! Faut pas sauter. Ah, puis avec elle. Oh, purée. Ah, faut pas sauter. Non, y'a pas besoin de sauter, regarde, ça fait le mouvement. Hop là. Ah oui, d'accord. Putain, c'est pas possible. Il faut que je change de personnage. Je peux pas, Peach. Elle me gave. J'ai l'étoile. Mais tu reviens. Non, mais faut pas que je revienne là. Hein. C'est, j'ai encore me casser la gueule. Donc là, ouf. Éventuellement. Putain, ça va. Oh, putain. Prenons des trucs parce que on a déjà plus qu'une vie, gars. Pas ma faute. Mais alors, il fait un matot. C'est fini d'avoir un sol dur comme ça. Hey, ça dégage. Ah ouais. Hop. Bim. Hop là. Hop là. Ah, non mais attends-moi, attends-moi, Robin. Allez viens, on rentre sur ce truc. Oui. Content. Ah, de l'autre côté. C'est de l'autre côté. On glisse, on glisse. C'est une catastrophe, Robin. Ça glisse fast. La vite. Brut. Je me suis pris un marteau dans la gueule. Oh non. Aïe. Mais il nous bourrine. Hein. Il nous bourrine, les mecs. Oh putain. On a fait le tampon. Non, c'est bon. C'est pas grave, le tampon, on s'en fout. Mais par contre, à mon avis, on a loupé une étoile là. Hein. Faut pas marcher sur les trucs. Dans la lave? Non. Merci, oui, je crois que j'ai... Oh, et... Attends, vite! Oh merde! Oh merde! Je me suis fait cramer le cul! Non! On va pas l'avoir! Au secours! Je savais pas qu'il y avait des mecs qui allaient surgir. Quoi. Oh, on a plus de vie. On va être obligé de le recommencer, je te le dis. Oh! J'ai peur! Oh non! Ça y est, c'est mort! Ah, oh, Jésus, j'arrive! Salut Linocha! Salut Linocha ou Linochat! Oh putain! Comment vas-tu? Bon, bah oui, continuez, hein! On va pas se laisser abattre! Mais attends, s'il nous refile que 5 vies à chaque fois, il faudrait qu'on ait des vies infinies là, parce que. 5 chacun, on va jamais... On va jamais y arriver! En tout, normalement, on en a. Je crois qu'il nous en donne que 5. Donc c'est 5 à 2. J'ai l'impression que c'est 5. Ah non, c'est 10. Ah non, c'est 5 chacun, voilà. Bon, allez. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas. Le perso, il a pas voulu avancer où il fallait. Bon, bah, on en a 9. Ah, c'est marrant, les souris, en fait, elles servaient de tuto. Oui. C'est une vie durement gâchée. Oh putain, mais elle fait des sauts, elle! Elle saute? Mais oui, je sais pas pourquoi elle saute! Mais, connasse! Mais t'as pas changé de perso? Mais non, j'ai pas changé de perso, pourquoi j'ai pas changé de perso? Mais quel connasse! Ah oui, c'est elle était là, là. D'accord. Je l'avais pas vue. C'est une catastrophe, Robin. Il a quoi comme particularité? Il est con, surtout. Ah. Todd, il est énervant. Non, je pense qu'il va plus vite en termes de course. C'était ça. Et il allait plus vite pour ramasser les trucs aussi dans Mario 2. Tu sais, dans Mario Doki Panic. Ah, ouais. Et je pense qu'ils avaient. Tu vois. Ah, quoique, j'ai pas l'impression qu'au niveau course. Que t'ailles plus vite. Je sens que je vais me rétamer par terre. Dans la lave. Mais par contre, peut-être que tu vas plus vite pour ramasser des trucs. Pour sauter. Ou... Ah, quoique, tiens, regarde. Si, oui. Regarde comment tu vas vite là. Moi je vais pas aussi vite, tu vois. T'as plusieurs vitesses, toi. Ah, quoique, j'en sais rien. Non, je sais pas. Oh, j'en sais rien. Faudrait relire le manuel, mais il y en avait déjà plus à la Wii U. Tiens, je suis en train de bosser une chronique sur un jeu Wii.
Et j'ai remarqué, je m'en souvenais plus, mais lors de la Wii, on avait encore des modes d'emploi, quoi, des notices. Oui, la Wii, alors, on avait encore la Wii U presque plus, je crois. Non, la Wii U n'en avait plus. Je suis mort, alors j'ai mais il y a le Fabrice Colson. Miss, coucou. Mais comment qu'il va, celui-là? Mais tu m'as fait tuer. Ah bah écoute, c'est à cause de Fabrice, hein. C'est pas de ma faute. C'est professeur Belmont. Hein. Jean-Patrick Belmont. Non, il en reste une. Il en reste une, connard. Ah merde, je me suis confondu avec toi, vite. Oh mon jeune ami. Oh mon jeune ami, vas-y. Oh, tiens avec moi la pine. Ah Fabrice, moi j'ai hâte de pouvoir suivre ses streams. S'il fait du stream Twitch, même s'il en fait pas beaucoup, c'est pas grave. Oh, non, il part sans moi l'enculé, hein. Il part sans moi. Et du coup, je me fais baiser. Bravo. Oui, bah je vais pas revenir là, il va encore m'enculer. Applique-toi, c'est ma faute. Ah bah oui, bah t'as voulu. Bah non, moi je regarde le chat, hein. Ouais. Oh putain, il nous donne déjà le truc. Bah ça sert à rien. Hein. Ça va servir pour les boules de feu. Ouais, hein. Pour les boules de feu, oui, effectivement. Allez hop, on triche, on s'en fout. On est tellement nuls à ce jeu. Et avec mon ex, je l'avais fait à 100%, mon gars. On n'a jamais triché, hein. On n'a jamais pris des trucs comme ça. Hein. Donc, ça y est, on est nul. On a vieilli, on est nul. Moi, j'ai toujours été nul dans le jeu. Ah. J'ai peur de devenir accro. Oh non, je pense pas. En fait, je pense, Fabrice, ça va te faire pareil que nous au début. En fait, tu vas être un peu accro, effectivement, au début. Tu vas vouloir lancer des streams tout le temps et tout, parce que tu vas trouver ça génial. Puis au bout d'un moment, bah, il y a des fois, ça va... Tu vois, tu vas te dire, putain, ouais, mais je fais tout le temps ça, j'ai envie de faire autre chose de ma soirée, ou je sais pas quoi. Moi, je sais que j'avais arrêté pendant 3 mois de stream. Mais vraiment, 3 mois sans stream, j'avais pas envie d'y retourner, hein. J'ai eu du mal à y retourner, et quand j'y suis retourné, ben voilà, je me suis fait baiser. Quand j'y suis retourné, quand tu y retournes, une fois, tu dis, oh, t'apprécies, et puis en fait, c'est un perpétuel recommencement, quoi. Faut pas en abuser, tout simplement. Ouais, voilà, exactement, faut pas en abuser. Après, c'est sur des périodes plus courtes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, moi, j'arrête, voilà, je veux pas stream pendant 2 semaines... Mais je suis content de restreamer après, etc. Mais sinon... Sinon, c'est vrai qu'au début, ouais, j'avais... Mais je pense qu'en plus, t'auras du monde. T'auras pas mal de monde dès le départ, donc... Le premier stream. Ouais, je pense qu'il y aura du monde, pas mal de monde dès le départ. Moi, j'avais arrêté 3 mois. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, en fait, quand t'as 2 viewers et puis qu'il y a personne qui parle dans le chat... T'en as plein le cul, quoi. T'as beau essayer de faire des émissions ou des trucs comme ça, ça marche pas. Allez, viens, on monte là-dessus. On va essayer de se concerter, Jamy, hein, parce que... Parce qu'on n'a pas pris l'étoile. C'est bien de se concentrer. Et après, je lis ce que m'a dit Fabrice, parce que sinon, je vais me casser la gueule. Je suis mort. Ah, putain. Ouais, mais c'était pas possible. Essaye de prendre l'étoile. Ah. Oh purée, j'ai réussi, attends, c'est comme ça, ah merde, c'est de l'autre côté, ah putain, j'ai réussi, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi, ah putain, t'as eu encore un, oh merde, oh, t'as vu la connasse, oh non, mais putain, bon tant pis, hein. On a eu les 3 étoiles, hein. Tout dépend des heures de stream aussi peut-être, oui, beaucoup, Je ne fais jamais les choses à moitié. Et je dors peu. Ah ouais, tu dors peu, toi. Les nocturnes de Fabrice. Mais franchement, après, quand t'as un... Moi, ça m'arrive peu, maintenant. Mais quand t'as un truc...
où tu restes 5 heures de stream, tu sais, tu fais 5-6 heures de stream, tellement t'es dedans. Oh là là, c'est... Ah, ça m'est réarrivé il y a pas très longtemps, enfin, à faire 3h30 de stream ou 4 heures. Ouais, quand t'es bien dans le jeu, tu fais ah, putain, je suis bien, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, c'est assez cool. Y a pas une petite maison là pour se faire ravigoter la gaule là? Y a un tuyau. On l'a fait ce tuyau là ou je sais plus? Non, je crois pas qu'on l'a fait. Non, ah, non, si. On l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Non, oh. Non, on l'a. Eh, hey, putain, il hey, y a 10 étoiles à avoir là, mon gars. Je m'en suis remis, Fabrice. Il s'en est remis. Moi, je l'aime bien ce plan là. C'est ce qu'on disait avec le genre. C'est. Tu t'y attends pas. C'est tellement rapide en fait. C'est. Merde, putain, mais attends, mais gros, il faut aller chercher la truc, hein, en fait. Il faut aller hyper vite. Mais en fait, comme ça va hyper vite, et que en plus la musique, elle est pas là pour faire du. Comment on appellerait ça? Du screamer, quoi. La musique, elle est douce. Il y a un côté très anxiogène. Ah oui, putain, il y a que toi qui peux y aller. Il y a un côté très anxiogène. J'aime bien, j'aime beaucoup, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je disais tweet, Fabrice, que ça confirme ce que vous avez dit sur le live de chat. Que je rigole tout le temps. Ah oui, mais moi, je l'ai dans le cul, hein, je peux rien faire. En fait, faut que je prenne le truc avec toi, hein. Faut que je prenne le truc du chat, hein. Sinon je peux rien faire. Mais là, je fais moi non plus, du coup. On perd une vie à chaque fois. J'ai l'impression, oui. Oh, merde. Allez. Allez, hop. Allez. Ah, faut prendre les... Voilà, on a du chat de secours. Voilà. Mais j'apporte la bonne humeur. Ah oui, non, les tournages, là, on s'est marré, mais... Mais de ouf, hein. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. En plus, le pire, c'est qu'il y avait Jamy, mais il y avait Nico aussi. Oui, alors, oui, les deux en même temps, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un bordel. Merde! Ouais, vas-y, c'est prends-la, bon. prends-la. J'étais pas bon, là. Ah. Allez, faut aller là-bas. Ah mais c'est obligé d'avoir le chat. Ouais, ouais, je crois que c'est tous les trucs, il faut les faire en chat, quoi. On a qu'une seule cloche de secours. Oh! Ouais, mais faut aller encore plus haut, je pense. Regarde. Ah, vite, vite, vite! Aïe, 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 putain, mais c'est vachement dur! Oh. Ah, bien! Ouais, c'est vraiment calculé à la seconde près, quoi. Oh! Ah, oh, mais c'est putain. La même chose. Et comment on tape? J'arrive pas à taper! Oh, putain de merde! Vas-y! Vas-y! Ah, je sais pas si on va. Ouais, c'est bon, putain! Waouh! Oh là! Attends, mais ça va être comment l'autre? Oh, non! C'est bon! Attends. Là? Ouais, je l'ai. Vas-y, vas-y. Ah, c'est chaud. Là, c'est... Hein. Ils sont chauds. Il va être où? Ah ouais, il va être là, ok. Ouais, c'est bon. Eh, encore deux? Oh, pas mal! Bien! Et le dernier, on va être au sommet. Je sais pas. Oh! C'est un nouveau. Oh, ça se casse la gueule! Oh, enfin, Dieu! Mais attends! Mais c'est pas possible! Oh putain! Eh, sur le fil! Sur le fil! Ouf! Chez nous, les tueurs rage quit. Ouais, GG, c'est trop bien! J'ai envie de te payer un hamburger, te bouffer la bite et te la secouer la gueule! Oui, c'est le maire, c'est celui qui joue Luigi habituellement. Bah, d'ailleurs, on a retourné dans le même lieu pour une prochaine chronique de Mario Time, donc avec Mario et Luigi, quoi. Ah. Donc, d'ailleurs, il faut que je t'envoie le texte pour que tu fasses Toad. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on doit faire un effet spécial aussi avec ça. Bah, écoute, on va aller là. Oh non. Oh non, je les sens pas ces trucs-là. Il y a qu'une étoile.
Il n'y a qu'une étoile là. Et il n'y a qu'une étoile là. Bon, allez, on commence à droite. Le deuxième. Ça doit être peut-être le plus pénible, qui sait. Le retour de l'aéro. J'ai lu le retour de l'apéro. Je fais, ah bah, ça va être bien. En plus, il faut le faire bourrer. Que dalle. Un boss. Ah ouais, ça va être un boss. Ah, j'aime pas les boss. Qu'est-ce que tu me fais? Je ne sais pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? il est resté dans la matrice. Oh non, pas ce boss de merde. Merde. Faut lui balancer un truc? Non. Il faut lui sauter dessus, je crois. Mais c'est pas tout de suite. Voilà, oui, c'est plus là. Ah, les assiettes de merde. Oh, elle m'a bouffé le cul. Oh ah. C'est la merde là, les gars. T'as pris la. Voilà. Allez. Je vois pas le relief. Oh. Allez. Oh, on peut pas le faire plusieurs fois. Ouais, ça c'est un peu dommage. Hein. Ah, prof P, la hâte. Non, mais là, là c'est la pause. Hein. C'est la pause estivale, je crois qu'il le faut parce que vraiment les vidéos ne marchent pas. Ça me saoule. On n'est pas recommandé du tout, donc c'est tout. Il faut faire une pause en été. Je crois que les petites chaînes sont pas trop recommandées, donc, voilà, on reprendra septembre, mi-septembre peut-être. Je prépare des trucs. Il y a déjà des trucs de prêt, des chroniques. Là, c'est surtout ce qu'il y a de prêt, c'est surtout du culture pop. Et avec notamment des trucs, un truc connu, un truc ultra connu, et un truc moins connu, mais qui est très très intéressant. Oh. Parce que ça fait des années que je voulais le faire, mais on ne trouvait plus les trucs sur le net, les épisodes sur le net, et on m'en a refourgué quelques-uns, et j'ai enfin réussi à pouvoir les revoir. Je ne sais pas si tu vas connaître ça, Fabrice. Mais ouais, culture pop, c'est souvent après que... Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? C'était la bande à Picsou. C'était le dernier, je crois, que j'ai fait de culture pop. Ah merde. Non. Voulez que je vous spoil ce que c'est ou pas? Mais bon, c'est pas pour avant septembre, octobre, quoi, ces trucs-là. Ça, on a le temps de l'oublier. Ouais... Si tu cherches des trucs vus... Oui, je sais, Fabrice, t'inquiète pas. C'est dans un coin de ma tête. Je ferai appel à toi. Peut-être même pour... ne serait-ce un bout d'interview ou un truc scénarisé, peut-être, même à distance, on s'en fout. Ça peut être sympa, mais si y a un sujet qui te plaît... S'il y a un sujet qui pourrait être sympa... Et oui, Son of a Beach, il a trouvé! Bravo! Captain N, c'était showtime de les trouver, particulièrement pour la première saison. C'est-à-dire les 13 premiers épisodes qui étaient faits avec... Putain, je me casse la gueule. Qui étaient faits avec les comédiens de doublage qu'on connaît bien. Et après, ils ont été remplacés. Ils ont refait les doublages? Ils ont été remplacés, non, à partir de la saison 2, en fait, si tu veux. Ça fait partie de mes streams, la découverte de vieux trucs. Ah, ça, j'ai hâte de voir, en fait. J'ai hâte de voir, je suis sûr que... Tiens, on parlait de ça tout à l'heure avec Jamy. La vie des bots. Eh ben, moi, je regardais ça quand j'étais gamin. Moi, je suis plus là, hein. Je crois que... T'es là. Ah, ouais. La vie des bots, putain, une émission, mais à la téléchat, les gars. Et je sais que j'écoutais en boucle le disque, le vinyle où il y avait plusieurs, évidemment, il y avait Goldorak, il y avait tout ça, mais je n'écoutais que la vie des bots, le générique de la vie des bots, parce que je le trouvais rigolo. Merde, putain, mais j'ai sauté pourtant! J'avais un crunch sur la fille, Fabrice. Sur quoi
Sur quelle fille? Sur la fille de David des bottes? Mon dieu, Fabrice. Fabrice Colson. Il va falloir se faire interner. Oh. Oh putain. Sur la vie des bots, sans déconner. Oh, et franchement, j'ai revu ça. Parce que il faut que je télécharge les. Ils sont sur YouTube, donc je vais les télécharger, je vais les revoir. Je sais que c'est très très cringe hein, maintenant, mais c'était quand même Jean Chalopin qui faisait ça. On s'est fait baiser, donc on retourne là-dedans. Hein. C'était Jean Chalopin qui avait produit ça. Et. Ouais, tout petit, les robots m'ont fasciné. Ah ouais, eh bah tu vois. Et vraiment, c'était l'époque, je trouve, c'était l'époque de la... Ah oui, putain, pas con. C'était l'époque où la télé proposait des trucs qui, effectivement, faisaient peut-être un petit peu peur. Oh bah j'en ai déjà eu qui s'est cassé la gueule. Proposait des trucs qui pouvaient être un petit peu anxiogènes, comme Téléchat. Ou justement la vie des bots, mais je trouve que justement c'est un côté fascinant et c'est très très bien de reparler de ça. Alors t'as plein de gens qui vont être là en mode c'est cringe, j'ai bien fait de pas vivre à cette époque, etc. Quoi. Oh là là, mais je trouve ça dommage de réagir comme ça. C'est comme si on disait le manège enchanté, c'était cringe, c'est nul, machin. Alors que. Miche, ça rime pas avec vous. C'est pas cringe. Ouais, c'est autre chose. C'est une autre. Merci à C09 pour ton resub. Je sais pas si c'est un Prime. Attends, j'ai pas lu. Ah! Et je me suis fait baiser la gueule. Un abonnement. Pour tes 18 mois, merci à C09. Et merde! Putain! Mais c'est pas possible! Oui, c'est évident ce boss, hein. Mais non, lui, il est chiant, lui. Hop! Oh, purée de pâte à caisse. Hein. J'arrive! Ouais, ouais. J'aimerais bien reprendre aussi des mecs. Ouais. Allez, bim! Prends ça dans ta face! Ah, il m'énerve lui en plus. Obligé de détruire les billes en fait, c'est faut juste. Non, faut peut-être les éviter, mais c'est quand lui il court à poil en fait qu'il faut y aller. Ouais. Tu vois, là il va être à poil. Il est plus entouré de ses billes, mais c'est chaud pour. J'arrive pas à le. Ah bah, tiens, au hasard, et puis je me casse la gueule juste après. Évidemment, j'ai rebondi, je me suis cassé la gueule. Tout à fait d'accord, bien sûr. Ouais. J'aime beaucoup. Oh putain, merde, c'est pas terminé. Mais non. Ah. Mais je suis con, hein, moi. Mais il prend combien de coups, ce con-là? Trois, c'était que le deuxième. Ah, c'était que le deuxième. Mais je croyais qu'on l'avait eu. Trois coups, moi. On a fait 500 tentatives aussi. Ah. Oh, ça y est. Ah, juste quand je suis mort. Oh, non, mais j'ai cru que je me faisais baiser, surtout. Les pièces. Ah oui, les pièces. On a besoin de vie. Ah ouais, non mais là, c'est une horreur. Ah. Non, allez, venez mes pitchs. Tu ne mourras pas. Ça change pour les Todd, hein. Les Todd, il y en a toujours 50 000. Oui, c'est vrai. Oh putain, oui, faut que je change de perso après. Ouais, c'est vrai, oui. J'ai oublié. Oh, je change de perso. Je sais plus comment on fait, mais il faut que je change. Parce que je veux pas buter Bowser comme ça. Hein. Non, c'est un. Je vais prendre Luigi. Luigi. Ouais. Je vais rester sur Todd. Espèce de gros dégueulasse. J'ai été sûr. Dès que je l'ai dit, je suis à une merde. Je vais rester sur Todd. Ne l'écrase pas trop. Oh. Alors, comment je fais pour changer, moi? Non. Comment je fais pour changer de personnage, moi? Plus? Non, plus, ça marche pas. Moins? Moins? Non, c'est la carte. Ah, c'est quand on a game over complet. Oh non, t'es sérieux? Oui. Tout sur Todd. Ah oh bah, il va pas en rester grand chose. Ah oh non, putain, c'est quand on a un game over. Ah oh bah non. Ah, oh, il en faut 170, on a un 184, donc c'est bon. Il y a des niveaux cachés après ça? Ah oui. Bah il y a carrément... deux mondes cachés. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Ah, peut-être quand on choisit le niveau, ouais. Ah,
au moment où on est dessus. Au moment où on est dessus. C'est... Ouais, c'est là. Oui, B, changer. Vite. Yes. Luigi time. Oh, mais oui, mais j'ai Luigi tout petit. Oh, ah ouais. La grande tour. Et alors ça, c'est très marrant qu'il y ait eu ça, parce que 2 ans avant la sortie de ce jeu, nous, on avait fait un film. C'était notre dernier film sur Mario, c'était le 10e, je crois. Et le dernier film sur Mario, le dernier long métrage sur Mario qu'on avait fait, on avait fait une tour comme ça. C'était un délire comme ça. Il habitait dans une tour avec ses enfants et tout, bordel. Et... Ça. Un peu à la Camelot, mais. Ah, je regarde la Biff Tannen, la tour. Bah, ça faisait un peu ça aussi, oui. Mais les dialogues, eux, étaient un peu plus. Merde. Oh. Étaient un peu plus Camelot, quoi, déjà. Bon, je vais éviter de sauter pendant la chute. Attends. Ah, merde. Bon, c'est mort. Ah, c'est pas grave, je préfère être transformé en bulle. On perd pas de vie. Plutôt que... Ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas des trucs à voir quoi dans le coin. Hein. La voiture cachée là, je sais pas parce qu'il y a quand même trois... Il y a 3 étoiles à avoir. Il y en a... Ah oui, ah, oui c'est un niveau classique. C'est un niveau classique. Donc il y a 3 étoiles mais je sais pas où elles vont se situer. Et peut-être, il faut peut-être faire le saut de l'ange en non, bas. Non, mes couilles. Fais pas le saut de l'ange. Ah tiens, il y en a une là-bas. Ah merde. Attends, on peut y accéder. Oh putain, merde. Ah mais c'est incroyable. Merde, non. Ritz. Est-ce que tu as déjà parlé de Insector? Je connais. C'était une des premières séries françaises tout en 3D. Juste avant, ils avaient fait les fables géométriques, c'est Fantômes. En quelle année? Oh, c'est 90, ça, hein, je sais plus. Fantômes, ça devait être 88-89. Et ils avaient fait les fables géométriques racontées par Pierre Perret. Ça, j'en ai parlé. Mais Insector, c'est vrai que j'ai... C'est pas que j'ai pas trop connu, c'est que je suis passé à côté. Mais je savais que ça existait. Mais Insector, ouais, c'était... Je me souviens, je vois les images... oui, effectivement, c'est Fantôme aussi. Et ils ont fait ça juste après ou pendant même les fables géométriques. Parce que les fables géométriques, il y a eu quand même eu 5 saisons. Attends, hein, c'est par là. Ouais. Ah putain, il l'a eu en cul, ça. Je connais pas un secteur, je pense pas avoir connu. Bah, à mon avis, t'as peut-être vu passer ça quelque part. Mais peut-être que tu regardais pas. Mais pareil, moi pareil, j'ai pas regardé Insector. J'ai regardé les fables géométriques, mais je suis passé à côté d'Insector. Et même les fables, j'ai pas vu. Mais par contre, c'était drôlement chiadé, je trouve, pour l'époque. Même les fables géométriques. Moi, je voulais. Quand j'étais gamin, donc j'étais tellement fasciné par les fables géométriques que je voulais devenir. Je voulais que mon métier ce soit ça, réaliser des fables avec des personnages en 3D. Bon, évidemment, on changeait de métier tous les deux ça ans. Ça veut dire géométrique par rapport à la 3D. Ouais, c'est ça. Oui, et c'était les premiers en France qui faisaient ça, vraiment. J'ai l'impression qu'on a loupé. Salut Zenith. Ah oui, on a loupé pas mal d'étoiles, je pense. Bien, j'avais fait des pièces. Y'a pas une étoile là-bas? Oh. Ah non, on a peut-être pas loupé l'étoile encore. Ouais, 94 un secteur, et je pense que les fables géométriques ça devait être 90-91. Je me demande si c'est pas 89 le début des fables géométriques. C'est 89 parce que comme ça ils ont eu bien le temps de se roder pour une secteur. Et quand tu regardes les fables géométriques, les fables de la saison 4 et 5, les personnages sont bien plus chialés que sur les premières saisons. Où souvent t'avais le corbeau, c'était un cube en noir. Bon voilà.
Et dans les dernières saisons, c'est un vrai corbac, avec des formes géométriques aussi, mais mais tu reconnais bien le corbeau, quoi. C'est pas juste... Oh putain, mais attends, mais lui... Ah oui, d'accord, mais c'est le combat final, hein, ça. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est le combat final, ça. J'ai pas... Oh attends, putain, il nous faut ça. Oh non. Je vois rien. Je suis tombu, je suis tombu. Je vois rien, on voit rien. Ouais, c'est le bordel. Oh non. Faut refaire... Ils ont bien juste... Géométrie hein, pour mettre un corbeau ou des trucs comme ça. De quoi? Ils ont bien justifié le côté géométrique. Ou bah oui. Je t'invite à regarder ma vidéo. Elle date de quand ça, ça, c'est une ancienne. 2019. Ah non, on se connaissait ouais, pas. De 89 à 92. Bah voilà. Parfait, ouais. Fabrice. Tu vois, on n'est pas encore trop vieux. On a encore un peu de mémoire. Moi, j'arrive à la mémoire sur le long terme. Oh, il y a une vie là-bas. Attends, comment on fait pour y aller? Ah, les petites portes là. Il y a une porte là en bas. Une petite porte là, oui, effectivement. Un niveau caché. Trop bien. Hein? Bon, ben. Non, bah, c'était un poisson. Prends ce que tu veux. Ah mais j'aurais dû prendre le deuxième là, on avait assez de place. Ah bon? Bah oui. Mais par contre comment on fait pour aller en haut? Ça a pas résolu le truc. Attends. Tout à droite là, peut-être tout à gauche pardon. Ouais, tout à gauche on va regarder. Comment faire pour accéder là-bas? Peut-être dès qu'on a fini le niveau. Putain j'ai l'impression que... Oui. Bon bah on y retourne hein. J'irai checker de mon côté. Qu'est-ce qui se passe c'est... Question ici. Attends, il y a d'autres longs métrages. Il y a d'autres longs métrages que Back to the Future. Bah c'est, ça, ça n'existe pas sur le net. C'est moi je les ai en DVD. On a fait une centaine de longs métrages ou de, enfin ça n'existe pas moyen métrage a priori, mais voilà des trucs de 45 minutes ou à jusqu'à 1h20, 1h30 en de 2000 allez de 2003 à 2018 et on a fait bah on a fait tout hein, je peux pas vous dire, faudrait que je vous les montre. En fait c'est prévu que normalement je vous les montre sur sur Twitch. Mais je veux pas que voilà que ce soit un délire où on puisse me faire un... Oh putain je tombe. Où on puisse me faire un raid ou tout ça parce que les gens ils arrivent... Putain c'est pas possible, on est nuls. Ils arrivent sur des trucs qu'ils connaissent pas et tout ça, je veux que ce soit en entre désactive nous. Ouais, je désactiverai les raids parce que ça va pas être possible quoi. Et ouais. Ah merde, attends. Enfin, oh, pardon. Ouais. Et donc oui, il y a plein de... Il y a des films comiques, il y a des films d'adaptation. On a fait du Resident Evil, on a fait du Mario, beaucoup. On avait même fait Kid Icarus, mais bon, souvent, alors il y a des fois des très bons trucs dont on est fier. Il y a d'autres fois, c'est des merdes. Hein. Il y a d'autres fois, on s'est planté, comme pas permis. On avait fait Kid Icarus aussi. Et puis, on a fait 10 films Mario. On a fait des films d'horreur. Notamment une trilogie qui reprenait un peu le personnage qu'a Michael J. Fox dans Phantom contre Phantom. On a tenté des trucs aussi. On a fait une sorte de Un jour sans fin, mais à la sauce Retour vers le futur et un peu plus, comment dire, un peu plus dramatique dans sa fin, dans son final. Un peu plus mystique aussi. Il s'appelle Into Hours, c'est l'histoire d'une nénette qui revit sa journée à chaque fois, jusqu'à temps qu'elle ait une journée parfaite, sauf que dans cette journée-là, elle arrive dans un lieu où c'est le bordel, les gens, en gros, c'est un peu loufoque, les gens doivent se balader avec une carte de... Ils doivent être en possession de drogue sur eux,
Sinon, ils sont malvenus. Et voilà, c'est... Bon, après, on faisait ça avec les moyens du bord, et puis avec des caméras qui, même si en 2009, j'avais une caméra professionnelle, bah, les caméras professionnelles de 2009, ça rend pas le même délire que maintenant les caméras pro d'aujourd'hui, et donc forcément, ça fait vieux, quoi. Mais il faut que je vous montre ça, je vais essayer, hein. Je vais essayer de faire des... Il faut juste que je me lance, parce que le truc, c'est que ça fait des années que je veux faire ça, mais je me dis, oui, mais bon, il y a des gens que je ne vois plus parmi les acteurs qui jouaient là-dedans, est-ce qu'ils vont pas gueuler, qu'on les voit sur le net, machin, etc., quoi. Et moi, je me prends la tête pour plein de conneries, quoi. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de les montrer. Et en même temps, j'ai un petit peu honte aussi. Parce que, bah, il y a des trucs qui ont vieilli, quoi. C'est-à-dire que. Il va y avoir des séquences qui sont très bien. Puis il va y avoir d'autres séquences qui sont. Voilà, où on voit le fond vert. Où on voit. Ou alors où on fait une blague qui passe plus. Ou voilà. Ça peut être chiant, ouais. Mais bon, on verra. Je pense que peut-être à la rentrée, faut que je vois ça, quoi. Faut que j'essaye de mettre ça en place. Et on fera ciné-loup. C'est ce que je voulais faire, en plus. Hein, une émission... Une émission sur le... Où on peut parler cinéma et où on peut... Où on peut regarder des trucs que je peux vous proposer quand même, voilà. Parce que c'est quand même dommage que ça reste juste dans ma DVD tech. Je vois pas le. Oh non! T'as lâché une cloche? Mais j'ai lâché la cloche pour la prendre, connard! Mais toi, tu t'es barré très vite. Donc on l'a laissé la cloche. Je crois que. Il y a deux Bowser. Bah, des soirées ciné, mais en stream, quoi. Donc, ça va pas être la même chose. C'est le ciné-loup. Tu prends pas ton truc? Ah bah si. Je peux le reprendre. Ouais. Oh putain. Attends. En train de me casser la gueule. Vite! J'ai peur! C'est King Kong! Ah, vite! Mais non! Non! Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est dédoublé, ce connard! Oui, je te dis qu'il y en avait deux! Ah oui, il a pris des cerises encore, lui! Arrête, Bowser! Les cerises, ça fait la chiasse! J'arrive pas à grimper. Je sais pas où je suis. Non. Ah non, je suis mort! Oh non, c'est mort! Je suis mort! Oh. Putain, mais ça me saoule, quoi! Ah, bah écoute, ceux d'horreur. Il y en a quelques-uns, hein. Je te dis, il y a la trilogie qu'on a fait. Alors les films, on mettait toujours des titres anglais, hein, parce qu'on trouvait que ça faisait plus American, quoi, vous voyez. Donc on a une trilogie qui s'appelle Road 17. Ensuite on a quoi? C'est quoi? C'est le deuxième s'appelle Dread End. Et sur ces trois. Le troisième, il s'appelle Scarecrow Way. Et sur ces trois longs métrages, on a mis la première histoire, c'est sur une histoire de Dame Blanche. La deuxième histoire, c'est sur l'histoire d'un Slenderman. Et la troisième histoire, c'est l'histoire du soldat inconnu qui vient se venger. Et il y a un délire de time travelers de là-dedans. Sur la légende des Time Travelers qui avait fleuri sur le net il y a un certain temps, quoi. Donc on a mis ah putain merde, c'est vrai, il débarque là. Mais on a mis plein de trucs. Et qu'est-ce qu'on avait fait encore comme autre truc d'horreur? Je sais pas où je suis, moi. Je sais pas où je suis du tout. Mais t'étais de l'autre côté, je crois. Mais je sais pas, j'arrive pas à me repérer tellement c'est le bordel. Là. Pas rien dans le jeu. On avait fait un truc qui s'appelle What Is It, qui était un peu un truc qui reprenait un peu le délire
de ce film avec Michelle Pfeiffer et Harrison Ford. Apparence, oui, voilà. Ça reprenait un peu ce truc-là. D'ailleurs, on reprenait la musique, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je peux pas les mettre sur YouTube, les gars. Oui, oui, ça, c'est reprenait... du strike. Ah oui, là, c'est du strike direct, puisqu'on reprenait les musiques à l'époque. Alors, de temps en temps, je faisais des BO. Oh putain, c'est pas possible! De temps en temps, je faisais les BO. Oh putain, faut se retaper ça, quoi. C'est chiant. Par contre, il faudra chercher la deuxième étoile qu'on n'a pas eue. Je crois que c'est là où il y a la grande roue, là. Je viens de le revoir en Blu-ray, apparence. Ah, trop bien. Faudrait que je le chope, le Blu-ray. Parce que je l'aime vraiment bien, moi, ce film. Je trouve qu'il a une ambiance. Et je trouve que. De souvenir, j'avais pas aimé, apparence, de souvenir. Parce qu'il y avait que des moments de sursaut à la con. Servent à rien là-dessus. Ah non, moi j'avais trouvé ça génial. Je trouvais que ça... Robert Zemeckis, il essayait plein de trucs. J'ai vraiment adoré. Il essayait des plans encore. C'est après qu'il s'est un peu plus chié, Robert Zemeckis. Ou quand tu faisais des. Voilà, le Pôle Express et tout ça. Bon, c'était sympa, mais. Il tentait la motion capture aussi. Ouais, mais. C'est pas la même. J'ai préféré quand il est revenu. Il y a un film très bon qui s'appelle The Walk sur le mec entre les. Ah putain, je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, celui-là, hein, mais je l'ai vraiment adoré. Je l'ai vu il y a 2 ans. Et oh merde, ça bug. J'ai eu un problème de communication. Ah bon, bah on va devoir recommencer, les gars. Ah putain, j'ai mis à quitter le groupe. Est-ce que tu peux rejoindre direct ou pas? Je vais essayer. Moi, ça dit que c'est toi qui m'as quitté. Ah putain. Bon, attends. Comment oses-tu? Quitter le stage. De toute façon, on est... Je quitte le stage. On a perdu, donc c'est pas trop grave. Par contre, Zemeckis s'est chié un peu sur le Pinocchio. A priori, j'ai vu des extraits. Je l'ai vu entièrement et c'est trop... la deuxième partie qui est vraiment à chier. Ouais, j'ai... faudra que je le voie, hein, mais voilà. Oui, ça a regardé mes limites. Regarde celui de Guillermo del Toro, c'est beaucoup mieux. Ouais, il paraît que c'est beaucoup mieux. Alors attends, je refais une connexion, jeu en ligne, créer un groupe sans code d'accès. Il y en aura dit justement, venez voir Orange Mécanique, les familles, c'est pour vous, c'est vous le public. Tu fais croire que c'est juste l'histoire d'un jus d'orange mécanique, tout va bien. Ah, ça va être drôle. Allez, emmène des familles avec des enfants de 5 ans voir Orange Mécanique. C'est good pour moi, hein, tu peux rejoindre. Ah. Et tu filmes leur réaction, Inalora. D'accord, donc le Del Toro est vraiment une tuerie, faut que je le trouve. Ah mince, du coup les Gremlins, ça n'a pas été... la séance a été mauvaise, il y a eu... Oh mince, ça c'est dommage. La chance de voir les Gremlins au cinéma. Oui, pour les 100 ans de la Warner, ils repassent des fois certains films. Ah d'accord. Mais du coup ils ont pas... ils mettent pas le 2. Ici c'est les familles. Moi, pendant que ma mère et ma cousine l'été regardaient Sissi Impératrice, avec mon père, on regardait les films d'horreur. Donc les machins... mais j'avais 8 ans, quoi, t'es 9 ans. On regardait Alien... qu'est-ce qu'on regardait? Bah justement, on avait regardé Les Langoliers, les trucs comme ça, quoi. Orange Mécanique. Ah, au cinéma, ça doit bien donner ça. Oh, il y avait aussi les films de vampires. Bah, vampire, vous avez dit vampire. Donc, Fright Night. La mort vous va si bien. Je l'ai revu, il est toujours aussi bon. Il est toujours aussi bon. Je l'ai revu il y a. Bon, je dis il y a pas longtemps, mais c'est parce que. Il y a peut-être 2 ans, quoi. J'en sais rien, mais. Il est toujours aussi bon. Bah, c'est du Zemeckis. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que ces Zemeckis, ils avaient fait des effets spéciaux qui étaient assez inédits pour l'époque, il me semble. Ah ouais, en DVD, c'est beau, ça. Mais voilà. C'est autre chose que Astérix de Guillaume Canet, les gars. Hein. Parce
que c'est quand même le dernier film que j'ai vu. Pas au cinéma, heureusement. Je l'ai téléchargé illégalement et je suis un enculé, mais tant pis, là, je voulais vraiment pas. Quoi ? Tu n'as pas sauvé le cinéma français. Ouais, non, j'ai pas sauvé le cinéma français, mais alors ce cinéma français-là, j'ai pas envie de le voir, quoi. Je préfère les... Oh putain, il y avait un mec qui faisait des chroniques sur ciné... Oh, je sais plus comment il s'appelait. Ah, il avait fait un film de zombies qui était... Bon, il se la pétait un peu, lui, mais... Et franchement, le film de zombies, c'est un français, hein. Et il était vraiment pas mal. Il était vraiment pas mal. Ah mais Dupontel, à chaque fois, c'est excellent, hein, je trouve. Du coup, est-ce que tu m'entends? On m'entend bien ou est-ce qu'on m'entend trop doucement? Parce que j'ai l'impression que des fois, je te parle, mais tu me réponds plus. Ah merde, je t'entendais plus, là, non? Ah, j'ai eu un moment un peu plus... Ah, il y a eu un moment où, oui, je t'entendais plus. La Horde, c'est ça, Fabrice. C'est ça, la Horde. Allô, Jamy? Oui. Là, tu parlais? Là, non. Est-ce que tu m'entendais, Loulou, quand je disais à Inalora d'aller voir, enfin d'encourager les familles à aller voir Orange Mécanique? Ah oui, 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 quand même, oui. Là, j'ai entendu, j'avais avoué. Oui, 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 c'était un moment, hein, on a entendu ça, oui. Je sais pas, parce que... Ah, moi, j'étais dans ma... Moi, je discutais avec Fabrice, moi. Ouais, on peut discuter 2 heures. Oui, clairement. Mais c'est vrai que je n'ai plus cette passion du cinéma, moi, je trouve. Je la retrouve un petit peu en ce moment. Ah oui ? Ouais. Mais ça doit dépendre des films, ça doit dépendre de ce qu'on voit. Le dernier film que j'ai vu, c'est Le Manoir Hanté, et j'ai été agréablement surpris, donc je trouvais que c'était un bon film. Mmh. Ouais, bah écoute. T'as des facilités scénaristiques, t'as des... Ouais, t'as mais des ça, certaines... c'est... Okay, voilà, mais par contre, t'as beaucoup d'inventivité, t'as des propositions de plans, d'images. Voilà, et c'est t'as ça. T'as énormément de clins d'œil à l'attraction. Les américaine. Facilités scénaristiques, en gros, je t'explique, hein, s'il fallait dire que chaque film qui a une fin heureuse est un film de merde, bah, on n'aurait pas fini, tu vois. Ah oui, non, mais quand j'entends facilité, c'est par exemple, t'as un personnage qui résout quelque chose, mais hors champ. Ah oui, voilà, bon, peut-être, oui. C'est plus ça, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut tout expliquer. C'est des facilités, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est le... Allez, bon, on a un problème... C'est comme bah, dans les Gardiens de la Galaxie 3, t'as les facilités scénaristiques, c'est des fois, t'as un truc qui est... Ok, bon, on met ça en place et on s'en fout après. Bon, après, ouais, je suis moins gardien de la galaxie, c'est pas trop mon truc. C'est pas grave, mais en soi, après, le manoir, c'est quand même un bon divertissement. C'est très sympa. Ouais. Je sais pas où je suis. Et on a toujours pas eu la deuxième étoile, mais elle est passée où? Ouais, écoute, j'en sais rien. Ah non, mais là, Laura, il faut changer les horaires de tes séances, hein, visiblement. Poltergeist, tu vois, en fait, moi, ce qui m'a... Je l'ai vu, hein, mais j'étais mal à l'aise. Alors, je l'ai pas vu au ciné, hein, j'étais trop petit. Mais je l'ai vu bon, dans la vingtaine ou dans la trentaine, je ne sais plus. Mais j'étais mal à l'aise par rapport à ce qu'il y a eu autour du film. C'est-à-dire toutes les sortes de malchances qu'il y a eu autour de ce film-là. Et ça me foutait mal à l'aise. Oh, le chat. Ah, attends. Ouais, je vais le prendre. Hop, hop. Allez, c'est parti. Ah non, hein, tu vas pas nous faire chier, Bowser. Dégage. Ah, mais comme par hasard. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait chier, lui. Vas-y, prends. Oh, putain, non, t'as loupé. Je vois pas les distances dans ce... Ouais, mais il y a trop de trucs qui se passent à l'écran. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que ça commence à me gonfler, ce stage de merde, là. Voilà, je m'en fous, je passe par là. Non, il arrive, ah, il est là, il montre son gros cul. Non, salope! Putain, il m'a baisé la gueule, je l'ai pas vu arriver. Ils sont combien, bordel?
Et il a trop de cerises, ce type-là. Attends, je prends autre vas-y, chose. Vas-y, vas-y. Vite, parce que le scrolling, il est... Oui, c'est vrai. Hello, hit. Je vous lis après, les gars. Ah non, hein. Il va pas nous emmerder, hein, ce qu'on va. Le scrolling, maintenant, est trop lent. Oui, oui, on va se casser la gueule. On va finir. Allez. Mais allez. Mais tourne ta caméra, gros con. Oh putain! Le pont! Vite! Oui! Yes! Yes! Bien joué! Le squelette dans la salle de bain. Ouais, GG, c'est trop bien! J'ai envie de te payer un hamburger, te montrer la vie, tu te la secouer la gueule! On arrête le ciné que vous finissiez. Mais ça y est, on est fini. On finit. J'ai le même prénom que la petite dans Poltergeist. Bah alors toi déjà, tu viens pas chez moi. Bonjour, je m'appelle Beetlejuice, comment ça Je sais même plus comment elle s'appelle la gamine. Mais en plus je crois que je sais comment tu t'appelles toi. Mais là je m'en rappelle plus. Le prénom de qui? De Enalora. Ah. Et je l'ai vu parce que... T'as dû me filer un Tipeee un jour et j'ai vu le nom. Mmh. J'ai dit, ah bah tiens, c'est Enalora. Rambo, ça m'a jamais. Non, elle s'appelle pas Rambo, non, je crois pas que ce soit ça. Bonjour, je m'appelle Rambo. Bonjour, c'est Enalora. Oh. C'est comme ça que j'aurais appelé ma fille si j'en avais eu une. Caroline. Caroline avant lavage là, c'est quoi? Non, c'est Caroline. Non, Carole Anne. Oh putain. Caroline avant lavage. Oh, mais quel connard, ce Jamy. Attends, mais je prends des. Je t'aide les futures moqueries qu'aurait eu la personne. Quoi. C'est vrai. Je me ferais respecter si je m'appelais Rambo. Effectivement. Moi mon prénom c'est par rapport à un chanteur. Ah oui, toi c'est cap de vieille, chatte de vieille toi. J'avais lu par rapport à un chantier. Oui aussi. Genre Patrick chatte de vieille. Oh. Ah bah ça va. La dernière fois qu'on a plaisanté sur mon prénom, j'étais au collège. Oh, c'était avant-hier. Félicitations pour ton brevet. Par contre, on a eu aucun GG, hein, nous. Hein, on a fini le jeu. Non, ils ont rien à faire, hein. Bon, après, on a pas été très bons sur toutes les parties qu'on a fait. On s'est surtout planté. Mais tu vas voir, il y a... C'est trop tôt, quoi. C'est... On va peut-être pas arrêter tout de suite, si. Oh, bah non. On continue un tout petit peu. Je vais aller me chercher un petit truc à bouffer. Ah si, il y a Fabrice Colson, bon, Colson qui nous GG. A fait. Ah, c'est vrai, il a dit. Qui nous a fait un GG. Petit GG. C'est vrai, on fait. On n'a pas vu. On était sur Rambo directement. Ça ne se mérite pas. Vous avez eu 50 morts. Oui, bon, c'est vrai. Oh. C'est vrai aussi. c'est à cause de Rambo. C'est Rambo. Ça nous a pris toute notre attention. C'est pour ça. Ouais. Ah, en même temps, moi j'ai des problèmes de vue et je vous avouerai que vous êtes assez loin. Donc je dois me concentrer pour lire. Je vais me chercher un petit truc à bouffer, moi. Et je reviens. Yes. Je te laisse dire ce que tu veux comme connerie. Tiens, tu vois, all generate support, all EPD. Donc tu vois, c'est... Nous étions faits pour ça. Hein? C'était marqué... All EPD. Et nous, le jeu nous insulte. Tu vois, nous... Oh. Ah, les deux là. Ah mon jeune ami, c'est les deux là. C'est... Comment les EPD? Non, all EPD, monsieur. Bon, allez, je vais chercher à bouffer. J'arrive. Alors, le meilleur temps réalisé dans chaque stage sera. Désormais affiché. Rambo. Je me suis ennuyé sur les films Rambo, vraiment.
Je préfère les Rocky en saga de Stallone. Largement les Rocky. Voilà, c'était mon intervention. Bonjour. Vous m'entendez hein, sur le chat, hein, rassurez-moi. Ça se trouve, ils ne m'entendent pas. Ah si, Fabrice, tu m'as entendu. Je vois jamais de réaction ou de réponse dans ce que je dis. Du coup, je sais même pas, j'avais l'impression qu'on m'entende pas. Oh, Lulu, méchant. Le 3 et le... Ah oui, Rocky Balboa était incroyable. Mais j'avais bien aimé Rocky 5 aussi, quand il était un peu mal aimé. Je les ai tous aimés, en fait, les Rocky. Tous. Sans exception, je les ai tous aimés. Ah. On t'entend trop. Oui, mais ils ne répondaient pas. C'est pour ça, maintenant, ils m'ont répondu, donc je sais qu'on m'entend. Coucou, Pérez. Je fais juste une petite pause, parce que... Oui, inférieur, mais bon, ça reste que c'est dans la continuité, quoi. Je suis très tendu, donc... Même sur le canapé, je reste très tendu, donc j'ai mal. Salut Pex. J'ai vraiment des mal au trapèze, au trapèze, ouais. Ah. C'est au trapèze, c'est ultra tendax là sur le côté gauche. Ça fait des étirements ? Non, j'en fais pas. Et Pex qui te propose un massage ? Ouais, ça dépend si. Et si ça se termine ou pas. Mais si t'es une gondesse et puis que et plus tu as fini, c'est le salaud. Gondesse à ne pas payer, hein. Je précise. J'aurais du mal à me faire masser par un mec, je crois. Je me suis jamais fait masser par un mec. C'est que des. Je suis un homme à barbe, d'accord. Hein. Non. Je vais passer mon tour, Pex. Oui, je pense, ouais. Tu es adepte du happy ending. Mais pourquoi tu te marres, toi ? Dis-nous. C'était rigolo. Je masserai la prochaine fois. Putain. Mais t'es un homme à barbe aussi, Fabrice Colson. Oh, un bouc, c'est pas barbe, c'est un bouc. Un homme à bouc, donc là ça passe. Ça passe là. C'est mieux. Fabrice Colson, c'est lui Rambo. Hein. Il te fait, il te met une claque dans le dos, il t'en met le dos en place. Hein. Et c'est pas Kevin, c'est dans le rétro découverte qui s'appelle Kevin, mais Timothée quand on avait tourné dans un rétro découverte, il m'avait foutu un coup dans le dos, tu sais, genre alors les gars, paf, oh je fais peut-être un peu moins fort là parce que il m'a détruit le dos, le gars. J'allais dire, mais il a pas de bouc. Qui ? Timothée ? Oui. Non, t'as une obsession avec les boucs ou quoi ? C'est toi, on parlait de ça et tout d'un coup tu fais, oh, il y a Timothée qui me donne un coup aussi. Non, mais pas un coup, mais il m'a donné un coup, mais dans le dos, connard, pas dans le cul. Oh, mon Dieu. Oh, c'est une catastrophe, Robin. C'est une catastrophe. Oui. C'est la fin du mois de juillet. Hein. Ah, je fais ma petite pause, moi, parce que... Timothée, il a le droit, et moi, non. Ouais, mais... C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu. Ah, mais ça, je le suis constamment, prof P, donc bon. Tu aimes être un bouc émissaire. La Switch qui se met en veille, le loup. Je sais, mais je fume ma clope. Hein, juste sur A, une fois. Je me suis remis sur un siège normal là, pour me décontracter parce que. Ouais. Je vais regarder s'il nous débloque quand même les. Seuls les intimes ont le droit de masser les trapèzes, mais ou les ostéopathes.
Alors ouais, voilà, voilà, tu vois, il y a cette petite cinématique là. L'eau était superbement bien faite hein, quand même. J'ai joué à Minecraft. Depuis la GameCube, ils font super bien l'eau. Alors, on veut aller là, nous, bande de connasses. Elles sont sadiques, en fait, de nous mettre des nouveaux niveaux comme ça. Oui, pour bien nous emmerder, en fait. Oh, il y avait une fusée depuis tout le temps. Ah, ouais. Mais tu vas pas être déçu, mon corps. On est dans Pikmin, là. On va rencontrer Olimar. J'aurais préféré rencontrer c'est... Olivier Mine. Oh. Ah oui, carrément dans l'espace, quoi. Ah bah ça, Olivier Mine, je veux bien devenir gay, hein. Tu veux bien qu'il te masse. Ah, je veux bien qu'il me masse, mais il peut me faire autre chose aussi. Et il est sur le chat. Bonjour, Olivier. Fou, ça m'étonnerait. Voilà, bon, okay. Tu vois, t'as des nouveaux trucs, mais alors c'est des hardcore, hein. Allez, ça va être facile celui-là. Attends, je finis ma clope, je bois un coup. Un proptologue ou Olivier Mine? Rencontrer Olivier Mine, mais ça va pas. Le fait de le rencontrer ou les fantasmes de Lelou? Moi j'aime bien Olivier Mine. Bah il m'avait répondu à plusieurs reprises. À tes avances? Non, c'est pas ça. C'est pas... Non, pas à mes avances, non. Il avait vu la vidéo et tout. Si je me cosplay en Olivier. En Olivier, quoi le... J'en ai un dans mon jardin d'Olivier. Que j'ai planté cette année. Fabrice. Alors, je vois un coup. Gérard Vivès ou Olivier Mine ou les deux. Les deux d'un coup, moi. C'est les deux seuls, hein, qui pourraient me toucher. Oh, les mecs. Les deux pour chaque côté. Oh non. Bon, il est temps de faire une vidéo où tu te fais masser par Olivier Mine et Gérard Vie. Je me fais niquer. Oh putain. Eh, je crois qu'on a loupé un truc, hein. Au début, retourne au début. Qu'est-ce qu'on a loupé? Ah non, rien. Non, je croyais. Hey, hey, hey. Fabrice demande qui est Gérard Vivès. Ah, tu connais pas Gérard Vivès? Gérard Vivès, alors... Gérard Vivès, il accompagnait souvent la gaffe dans ses émissions. Il a joué aussi dans les AB Productions au début. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a connu, je crois. Et il a fait des tout petits rôles dans les sketchs des inconnus, dans les visiteurs aussi. Putain, attends, j'avais fait le listing parce que j'ai. J'ai joué dans les visiteurs. Ouais, j'ai fait une vidéo sur lui, donc normalement je devrais le savoir, mais tu vois, j'ai un trou de mémoire, mais il a fait deux trois trucs comme ça, mais bon. Après, si c'est vrai que si tu connais pas, tu peux pas savoir qui c'est, quoi. Ah, t'as oublié de prendre le champignon. Ah putain, non mais j'arrête pas de me faire baiser la gueule. Oui, il a joué Jim dans Les Nuls. Je vais faire. Oui, j'aime bien faire 2 heures de gym, qu'elle dit Chantal Lobby. Et puis je vous présente Jim. Putain, Jim qui. Oh merde! Putain! Mais c'est une horreur ce stage! Ah oui, une apparition dans Caméra Café aussi. Il continue ou il a arrêté? Je pense qu'il continue de temps en temps quand on lui demande en fait. Mais. Mmh. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Après, maintenant, il a son domaine quand même. Hein. Il a racheté un domaine qui remet à neuf lui-même, tout seul. Donc, ouais. Donc, il est très pris là-dessus. Et donc, il fait des conventions de jeux vidéo dans ce truc-là. Des mariages, des trucs comme ça, quoi. C'est de la location. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, Ruby.
Putain, on a réussi. Oh, l'eau de cul. Attends, je prends un... Ouais, prends. Si on le paye, il continue. Bah oui, comme tout le monde. Oui. Attends, je fais le saut et toi, tu fais le domi. Je fais quoi? Le domi. Le domi? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je fais le saut et toi, tu fais le domi, connard. Il dit au revoir. Ah, il faut aller là, putain, il faudrait allumer ces merdes. Mais on a rien. Parce que là, il y a un truc, il y a un truc caché, je crois. Et comment on peut trouver ça? C'est un super truc caché en plus. Je crois que c'est Link. Et Link? Oui, je crois que c'est un truc où il y a Link. Et il faut mourir et recommencer avec un, je sais pas. Putain, on n'a pas de. Il y a quoi? Il y a que de l'eau. Mais il y avait pas. Il y a pas de. Ah, il y a pas. Attends. Regarde bien sur le côté. Tiens, mes couilles, oui. Oh, bien vu. Je crois que c'est là. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Regarde ça. Tiens. J'adore la sensation de ces trucs là. Oui. Oh, merde, vite. Wow. C'est le Link 8 bits ça. Ouais, c'est le Link en 8 bits. Du premier Legend of Zelda, les gars. Alors faut bien l'allumer. Ils me suivent. Vas-y, fais tous les trucs pendant qu'ils sont sur mon cul là. Oh merde, ça y est, ils m'ont baisé la gueule. C'est bon. Yes. Ta la la la. Ta la la la. Yes. Écoute la musique. Je l'entends pas. Ah merde, tu l'entends pas? Ta la la ta la la ta 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 ta. Je jongle entre Animal Crossing et Resident Evil. C'est pas du tout la même chose quand même. Pas se mentir. Attention, on a oublié des pièces. Attends. Ah merde. Ah on l'a dans le cul. Bah oui mais c'est le truc qui va vite là. Ah c'est... Je crois que tu voulais tout enlever. Merde. Non. Ah. Je vais l'avoir dans le cul. Animal Evil. Oh non. Prends-la, putain. Oh, ta race. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'autre pute, là? Elle nous parle pas? Ça va le coup d'être là. Connasse. Oh. Rémi face... Attends, là-bas. Toi, tu veux là-bas, toi, tu veux le tampon. Le tampax. Toujours utile. On sait jamais. Il faut récupérer Link. Ah non, c'est bon, on a pas besoin de le refaire. Je crois que si, hein. Non, regarde, il y a une étoile au milieu. Après, si tu veux le refaire, on peut le refaire. On va regarder s'il est fait. Mais à mon avis, là, ils l'ont pas gardé, hein. Si, parce que autres... c'est la dernière étoile. Ouais. Oh, trop bien! Mais trop bien, bute-les! Mais pas toi! Le petit clin d'œil à New Super Mario Bros. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que ça, on l'a pas eu du tout. Mais je suis... Ah oui, non, j'ai cru que ça allait durer de manière... Alors, tu vas voir que l'étoile est transparente. Et voilà! Ah merde! Mais au moins on a vu qu'il y avait Mario Gros. Mario Gros. Mario Gros. Bon, alors là faut essayer, hein. Vas-y. Si t'en loupes, je suis derrière. Enfin, pas longtemps. À mon avis. Parce que je vais me faire baiser la gueule. Oh non! Oh là là! Non, ah, dans le vide.
putain, mais c'est pas possible, mais, on voit mais, rien. Y a pas d'autres... je les vois pas, les autres. Non, parce que ça, c'est fini. Déjà ? Oh non, oui. Mais ça va trop vite Oh, mais putain, ça... Oh là là. Oh, attends, moi de... j'attends, hein. Y'a plus de vie, non. Y'a plus de vie. Fritz ! J'aurais pas dû renaître. Oh et merde, j'en peux déjà plus. C'est vraiment du bonus hein, qu'on vous fait là, parce que... c'est truc... Attends, c'est le premier stage, quoi. C'est toujours le premier. Non mais c'est... Ah bah oui. C'est hyper chaud, bah oui. Oh. Mario doit faire aussi 2 heures de gym. Hello Crash, comment qu'il va celui-là? Tu vois? Puis t'auras pas le deuxième si t'as pas fait le premier. Y'a quoi? Y'en a combien en tout? Ah, mais y'en a beaucoup puisque ça, c'est un monde. Ah, y'a mais... un Toad! Oh, tu veux qu'on fasse le Toad? Oui. En fait, mais... y'a tous les clans de tous les mondes en un seul truc quoi. Mais tu as un autre monde comme ça. Oh! Alors, celui-là, il va être costaud. Qui bouge la caméra? Alors, j'en sais rien, je vais essayer. Oh, oh la vache! Qu'est-ce que t'as fait? Alors, mais j'en sais rien parce que j'ai pas bougé. Laisse bouger la caméra. Alors, on peut. Attention parce que là, je crois que si on se plante, faut recommencer. Ah bon? Ouais, t'as des trucs. J'en ai une. Là, t'en as une. Mais il faut qu'on tombe bien. Faut qu'on arrive à bien tomber. Alors, attends. Ok, je vais essayer de tomber là. Ouais. Parce que y en a une à aller chercher là-bas. Tu veux que j'attende ou je dois descendre aussi? Je sais pas. J'en sais foutre rien parce que je sais pas comment on... Moi je peux plus remonter là. Ah, non, ah si, ah, oui, je peux remonter. Je peux remonter là-bas. Ah oui. Mais je ne peux pas avoir... Oh merde, je suis retombé! Attends, faut que je regarde ce qu'il y a. Ah si, d'accord, c'est là-bas. Il y a un P. Il y a un P, mais alors... bah alors attends, faut que je sois sur le P déjà. Ah. Donc là, toi, tu peux y aller. Ouais, je peux récupérer celle-là. Tu peux récupérer celle-là en montant là-bas. Et attends, parce que... Il y a un P. Ouais, il y a un P. Et elle est où, l'autre? Je la vois pas. Ah si, elle est là. Alors attends, s'il y a un P... Ouais, vas-y. Ouais, essaye. Ah putain, on est revenu comme ça. J'en ai un autre, là. Ouais, vas-y. Il reste combien d'étoiles? 2? 2. Ah oh putain, on est tombé pile poil dessus. Bah, elle est où, l'autre? Je la vois pas. Elle doit être... Ah non. Par contre, ah, elle est là. Oh, elle est là. Elle est là. Oh merde. Eh bien, c'est pas le bon sens. Merde. On est revenu au début. Attends, je vais me jeter. Non, mais... Ouais. Il est où, le P? Il est là-bas. Ah ouais. Alors, attends. Je suis mort. Ah, tu t'es fait buter? Ouais. Tu peux pas revenir? Si. Ah si, je reviens. Alors, on va réessayer. Je vais rester là par acquis de conscience, mais à mon avis, je vais me casser la gueule. Ah putain! Hop, ouais, voilà, je me casse la gueule. Donc là, moi, je vais mettre le P là. Alors, toi, t'es là, hein. Tu. Ah putain, ah. Non, tu retombes là. Il est où le truc? Ah, là, on pourrait avoir un champignon. Eh, là, on peut l'avoir, on peut l'avoir! Attention, hein. Ouais. Yes. C'est bon, ça. Je suis devenu une bulle à la fin. Je suis devenu une bulle à la fin. Ouais, c'est très cool, ces niveaux. Et il y a un jeu qui a été fait par rapport à ce truc-là, qui s'appelle Captain Toad. Le jeu, malheureusement, est très très simple et pas... Et au bout d'un moment, tu te lasses, en fait. Quand c'est des petits niveaux comme ça, de temps en temps, ça passe. Ah, j'ai même pas pris. Ouais, GG, c'est trop bien, j'ai envie de te payer un hamburger. Moi, je l'avais pris parce qu'on jouait Wii U, ça avec...
sur Wii U ou sur, sur Switch? Sur Wii U, je crois. Mm. Ouais, sur Wii U, j'avais pas encore la Switch. Donc voilà, y a, t'as tout ça, mais après t'as un autre monde et c'est encore pire. C'est encore pire, mais on va jamais voir le bout. Bah non, je te dis, je n'ai plus la patience. Bon allez, on se réessaye celui-là, puis mais après ce sera le dodo. Hein, parce que, et 23h. Un peu plus. Et 23h, je sais pas combien. Attends, ça va nous aider, ça. Ah putain, bah oui, j'avais pas vu. Ah bah oui, ça va nous aider, oui. Et du coup, on pourra pas faire le de Link. Ah oui, bah si. Mais comment? Bah, facile. Mais comment on l'allume? Ah oui, merde. Ah oui, on peut pas l'allumer. Bah, faudra que je me bute. C'est vachement plus facile déjà. On est vraiment des branquignoles. Parce qu'on joue comme ça, franchement. Non! Par contre, si on tombe, on l'a dans le cul quand même! Ah, mais c'est un peu plus simple comme ça. Oh putain, oui. On a oublié une étoile. Oui, l'étoile était en haut. Je l'ai vu. Enfin, j'ai pas vu l'étoile, mais j'ai vu un truc. Moi, ce sera pas à 23h, hein, Fabrice. Hein. Et je veux le tampon. Ah. Aïe. Allez, bim. Bon, allez, je me jette. Je me suis jeté aussi. Mais non, il est con. Ah, je pensais réussir à allumer le truc sans rien faire. Avec ma tenue. Oh, tu t'es fait mal? Ouais, je me suis fait buter. Tu plaisantes, Master E.T. Si dit. J'ai pas vu. J'arrive pas à lire le chat. Mais. Ah. Merde, il en reste encore. Il est où? Mais ah, si. Il est là. Le petit morceau, il est là. Le petit bout. Ouais. Bon bah moi je vais me faire buter hein, dans pas longtemps. Ça va et toi? Alors là. C'est toi quel va truc? Vas-y, ouais. Parce que moi je l'ai eu dans le cul. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort! Ah, mais c'est pas possible. Eh oui. Bon, si ça mène au niveau suivant. Ah. Oui. Faut au moins essayer de. Je te laisse faire, hein! Je te laisse gérer là! Il y a un P, deux P. Oui! Oh non! Oh non, il y avait une pute de bordel, une cascade! Une cascade de pièces de merde! La Pixie dort déjà, oui, on l'entend ronfler, j'imagine. Ah putain, faut que je me rapproche pour lire le chat, c'est le bordel. C'est TRL et bouge la molette si tu veux. À moins que tu l'aies mis sur le téléphone. Non, je l'ai pas mis sur le téléphone justement. Il est sur mon écran mais qui est un peu éloigné. Donc faut que je me concentre pour voir le truc. Alors c'est quoi ce suivant là? Oh, avec les trucs qui tournent, ça va être rigolo ça. Ah mais non, mais là on est que sur le premier niveau qui est censé être voilà, mais déjà qu'on n'y arrive pas sur les niveaux faciles. Moi je m'en fous, hein, je l'avais fait à 100%. Mais maintenant, puis surtout avec Jamy qui t'envoie à bouler là. C'est toi qui m'as porté là, attends. Oui, mais attends, c'est parce que. Ah! Ah! Il y a un tanuki qui te court après. Oh putain. Oh mon jeune ami. Ouais, c'est ça. Oh mon jeune ami. Il va falloir remercier la personne qui fait rester les viewers pour qu'ils follow même si on sait qu'ils sont pas des coups d'un ou à quand même, merci, c'est la bite.
merci pour le raid. Merci pour le raid, monsieur Joris le Six. Comment qu'il va celui-là? On sera en live avec Joris le Six justement mercredi. Mercredi soir, on refait un club Louroté sur Interville, Fort Boyard, tout le merdier. Et ça y est, on s'est fait baiser. Salut Eluron. Ça sera mercredi alors. Ah. Ouais, on est parti sur le mercredi. Ouais. Je serai là. Oula. Oula. Non, c'était bien marré la dernière fois. J'espère qu'on va se marrer autant. Ah, je suis tombé. Ça va jamais s'en sortir. C'est pas possible. 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 Mais non, il faut y aller tranquillement. Regarde. Regarde comment on est tranquille en prenant des boulets dans la gueule. Oh putain. Tranquille. C'est les derniers niveaux. C'est les derniers niveaux. C'est pas les premiers ceux-là quand même. Enfin, ouais, mais c'est les premiers des derniers quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quand même 50 000 des trucs à faire. Et t'as des trucs vachement plus hardcore que ça. Le dernier, moi, j'avais jamais réussi à le faire tout seul. Le tout dernier, c'est un. Un délire, ouais. Tu sais, où il faut aller vite pour choper. Choper. Merde. Pour choper des étoiles à 10. Je sais plus combien, il y en a 20 ou. Oh non, il y en a plus que ça, je crois. Et c'est un délire comme ça. Et j'ai réussi avec une deuxième personne. Et quand j'avais refait le jeu, c'était en 2017, je crois. Et là, on était assez fiers parce qu'on avait fini le jeu à 100%. Tu m'étonnes, t'as une bonne carte. Ah ouais, on avait refait tout le jeu et, à deux, et c'était. Mais tranquille, toi. Mais là, putain, mais je trouve qu'on galère depuis que. Mais j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas. Je pense que c'est la version Switch. Hein. C'est la version c'est Switch. La de la Switch, tu sais. C'est... Oh, oui. C'est... Voilà. La Switch est une console de merde. Les mauvais joueurs. C'est... Les putains de mauvais joueurs. Mauvais joueurs, ouais. Oui, c'est la Switch. La manette, le Joy-Con Drift, tout ça. Ouais. Oh putain, j'avais enlevé ma participation. Oh putain! En plus, ça sert à rien d'être invincible avec ce truc là. Bah non, donc ça sert à rien de le prendre. Je le prends pour tuer les ennemis là. Ouais, bon, oui, si tu veux. Tu m'as fait peur. J'ai eu peur, hein. J'ai peur pour ma vie. Tu l'as dans le cul avec ton truc là. J'ai tourné la tête au mauvais moment. Eh oui, il faut jamais tourner la tête, sinon tu te fais enculer à sec. Oh, c'est alors... une pièce. Oui. Mais Luigi, il a des savonnettes là. Il y a une étoile là. Oh, mais c'est quoi ce Goombas là? Ce Goombas des temps. Des temps. Attends, il y a une étoile là. Non. Ah ouais, bah j'attends. Hein. Prends l'étoile. Mais je veux bien la prendre, mais comment veux-tu que je la prenne, connard? Je suis aussi petit que toi, moi! Ah mais faut que tu me portes, gros con! Ah faut que tu sautes sur moi! Ah oui, saute-moi dessus! Oh mon jeune ami! Oh mon jeune ami, saute-moi dessus! Ah ah chacun son tour, on se casse la queue! Ah, je vais crever, putain! Mais. Allez, mais putain! Vas-y, bon. Tu vas la voir cette étoile, connard! Oh non! Oh putain, mais quel on connard! L'a eu. Oh là là! On l'a eu! Mais non, mais t'aurais dit le tanuki! Si vous voulez vous venger, allez voir Jamie se faire bouffer par un langolier dans ma dernière chronique, ma dernière vidéo sur Demon's Crest. Allez, go. Ah, il y a une belle prestation, on empêche, ce jeu, dans ce film. Très belle prestation. Très belle prestation, mais surtout... Putain, je me suis fait baiser la gueule. Mais surtout... on aime le final.
y a les petits Loomas. On les, sert, on les avait pas vus, ces cons-là. On est dans l'espace, c'est normal. Attends, il va te bouffer, c'est un langolier en fait. C'est un langolier. Oh mais non. Mais suce mes couilles trempées dans du vinaigre. Mais il m'a balancé. C'est toi qui m'a porté. Bah oui, mais dans ce cas-là... Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être encore ce bordel. Oh non, ça m'a tué. Ça t'a tué. J'ai même pas bougé. Saleté de plombier, oh, qu'est-ce qui a eu la mauvaise idée de les inventer. Vas-y, prends ton truc. Alors ouais. Non, on va pas enregistrer la game pour faire un bêtisier, il y aura sûrement un replay. Et non, ça ne marchera pas. Déjà que les vidéos travaillées, elles marchent pas. Avec de la scénarisation, des effets spéciaux, tout ça avec un budget moindre. Donc, un bêtisier où on gueule sur un jeu qu'on fait en live, ça ne marchera pas. Et ouais, c'est du best-of ça, mais bon, c'est pas... Oui, c'est du best-of, tout le monde en fait en plus. Mais putain, mais c'est chiant ce truc là, pourquoi ça tourne? On y va pas assez vite, je pense. Mais il fallait, on a attendu trop longtemps pour y aller. Oh, c'est la dernière vie. J'en peux plus, j'en ai plein le cul. Oh là là, vas-y. Tu m'as piqué ma feuille. Oui, bah écoute, ta gueule. Attends, va pas trop loin, ça va me tuer. Oh. Va pas trop loin, ça va me tuer, putain. Ah, faudra que je sorte ça à ma copine. Ou non, faudra qu'elle me sorte ça plutôt. Pas trop loin, ça va me tuer. Ah ah. C'est marrant, quand tu cries, je t'entends moins fort. Ah bon? Ça coupe le son. Je pense que les gens dans le chat disent l'inverse. Allez, j'ai buté tous les mecs. Attends. Non, attends. Rite. Maintenant. Eh ben non, bah je l'ai dans le cul. J'ai hésité. Non, non, c'est plus il y va. Mais c'est pas possible. Et il crache, il fait des clips. Faut que tu me portes, gros con. Oh putain. Mais c'est quoi ce truc de bulle? Ouais, je veux qu'on le fasse celui-là, merde, faut pas déconner. Oui, bah ouais. Tu vois, l'aventure 3D World n'est pas finie, le loup. L'aventure est loin d'être finie. Les deux, c'est une cata. C'est vrai, oui. Allez, on prend les trucs pour tricher en plus. On n'y arrive pas, comme des connards. Putain. C'est incroyable. Attends-moi. Non, bah non, merde, tu m'emmerdes. On dirait un vieux couple qui s'engueule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me balance. Putain, il me balance en plus sur le truc. Mais je suis tout dingue maintenant. Oui. Ah, mais je savais pas que t'avais changé. Oui, j'avais envie d'avoir une gueule de con. Donc. Attends, on n'a pas l'étoile. Ah bah oui, on n'a pas l'étoile, oui. Mais c'est bien ça le problème. Mais il pète le truc en plus, ce con. Oui, bah je veux bien venir, mais attends. Enfin, je veux bien venir. Et il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Et moi aussi. Attends, je ah putain, c'est pas possible. Mais on va pas y arriver. C'est des trucs faciles, ça. Je suis sûr que on joue qu'à 1, on y arrive. C'est parce qu'on joue à 2, on n'y arrive pas. C'est... Oh, oui c'est encore... oh j'ai fait un beau salto arrière. Oh, non. Non. Hi. Oh. Il m'a balancé, hein, vous êtes témoin. Je pense que dans un enquête criminelle, ça passe pas, tu vois. J'ai plus mon truc en plus, je suis plus invincible. Ah bah non, attends. Mes couilles, je suis pas invincible à moi, tu te démerdes. Tu te démerdes. Merde, je me fais bouffer par un Goomba pendant que je regarde. Ouais, on t'admire tous, Jamy. Hein. On t'admire tous. Alors c'est bien, il se casse la gueule, mais il a toujours son truc, lui. Oui, je suis pas mort en fait. Mais vas-y, mais. Ouais. Attends, il faut que tu... Non.
C'est pas possible. Vas-y. Non, vas-y. Allez. Bourre ta race. Attends. Il y a pas des trucs à prendre là, merde. Vite. Bon bah allez, go. 1 2 Vas-y maintenant. Voilà, mais il m'a pris. Il m'a pris. Balance-moi. Non, là faut y aller tranquille. On est d'accord. En même temps, en même temps. Oh non, mais ça va être la merde. Allez, viens, viens. Allez, 1. Allez. 1 2 2 3. Ah, ah. Oui, c'est bien, tu m'as sauvé. Oh, le checkpoint. Ah ouais, oh. Enfin, tu m'as presque sauvé. Putain, un checkpoint, enfin. Oh, maintenant qu'on a plus de vie. Attends, si, on en a 6 quand même. Oui, oui. Oh. Attends, non. De retourner les cases, c'est pas possible. Ah, il y a un truc là-haut. C'est une... Oh putain. Putain de bordel de bite. Oh non, hein. Cassez-vous. Il y a un passage là. Attends, je suis encore là-bas, moi. Je suis en train de me faire bourriner le cul là, je me fais canonifier la gueule. Rouge ou le chemin bleu? Et on prend le chemin bleu. Tu veux le chemin bleu? Je crois que c'est. J'en sais rien. Je sais pas si c'est le pire ou. Ouais non, ça a l'air d'être. Ouais mais d'accord, mais moi je peux pas monter là. Je peux pas monter. Attends, je vais passer par là. Attends. Mais attends. Je suis taude, hein. Je suis un peu j'ai du mal. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il veut qu'on fasse là. Mais on peut pas passer là. Il y a un truc à ramasser là. Bon. Non mais il est beau lui. Un truc là. Non mais il faut être en chat là. Ah mais oui, en chat. Je suis pas un chat, je suis un tanuki. Bah oui, t'es un tanuki, donc tu l'as dans le cul. Je te le dis. Non, non. Il va se faire bloquer la gueule entre deux mécanismes, c'est tout ce qu'il va gagner. Oh, pas mal! Oh, prêt! Oh putain, tout ça pour un tampon. Sans déconner. Tout ça pour un tampon de merde. Mais je l'ai eu au moins. Oui, bon, c'est bien. On est content. Allez, go. Attends, non, je suis pas parti. Oui, bah attends. Oh, mais y'a plus de temps, gros con! Oh là là. Oh, y'a une truc là-bas. Oh putain. Oh l'olité, je me prends ça dans la gueule. J'ai l'étoile. Et bon, c'est bien, mais combien... maintenant, faut se manier le cul. Je sais pas où il faut aller, là. Non. Ah, c'était en haut. Ah, c'est bon, oh, y'a une étoile. Oh purée, le pataquet, c'est... Oui. Tombe pas. Non, je suis Moi, pas je tombe, par contre. Vas-y pas. Oui, ouais, vas-y. Ah oui. Oh, heureusement que t'as le truc. Attends, il reste 40 secondes. Il y a harmonie et tout. Ouais, attends, ouais, mais je l'encule. En plus, on peut la débloquer, elle, après. Qui ça, harmonie? Oui, harmonie, on peut la débloquer. Regarde, elle danse avec nous, là. Donc ça veut dire qu'après, on peut jouer avec, en fait. Et je crois que c'est parce que t'as débloqué le tampon. Je me demande même si c'est pas à cause de ça. Ah, au moins, attends, ce niveau, le loup, on l'a fait à 100%. On l'a fait à 100%, nous sommes très contents. Et je suis sûr qu'on peut jouer, on peut interpréter Harmonie maintenant. La débloquer, la démonter, enfin, je sais pas ce que tu veux faire, mais... Voilà, vous pouvez maintenant jouer avec Harmonie. Allez, tu l'as eu, le message, toi aussi? On fait les deux princesses? Vas-y. On le fait déjà depuis tout à l'heure. Les deux princesses. On fait déjà les deux princesses en prenant les deux. Ouais, GG, c'est trop bien, j'ai envie de te payer un hamburger de mon canapé, tu te l'as secoué la gueule. Merci pour le GG, mais... Allez, je vais faire... faire Harmonie. B. Tu prends voilà, Harmonie. Je prends Harmonie. Je crois que... Alors, attends, on va tester, mais je crois qu'elle... Alors je sais plus son truc à elle. Elle balance des étoiles. Oh. Mais non, attends. Elle fait quoi? Ah, elle a un double saut. C'est déjà mieux. Vas-y, je te fais monter là. Vas-y. Ouais, alors attends, vas-y. Alors, monte sur... Faut que je monte.
Voilà, tu vois. Et je peux aller là. Donc c'est un double saut harmonie. Ah. C'est pas un. C'est... Je croyais qu'elle. Oh putain. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai jamais pu te blairer, Princesse Peach. Non mais. Je suis pas on peut pas s'arrêter là. Mais non, mais après, de l'autre côté, grosse conne. C'est le jeu de Mario Party là. Mais. J'ai jamais pu plaire à Harmony. Putain, oh la salope. C'est vieux crépage de chignon. Ouais, j'attends que t'aies fini. Hein, parce que je me mets pas là-dedans. Hein. Tu vas me buter tel un Goombas. Allez, hop. Putain, y'a un truc là, non? Oh, des pièces, que des pièces. Tu m'envoles. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Allez, là, allez, nanana. Non. Mais y'a jamais de. Oh! T'es parti où? Tu m'as décalé. C'est pas, je t'ai pas décalé. Attends, il faut décaler ça aussi. Mais attends-moi. J'en ai à la foutre. Dégage. C'est pas très pratique d'être en robe avec ce genre de. Non, oui, oui, en plus, on va. Ou alors, autant pas mettre de. Mais c'est de l'autre côté! La prise. Oui, je suis d'accord. Oui, bah oui, mais la vie, bah oui. Pas non plus 157 ans. Oula! Oh là! Je voulais que Goomba vienne avec nous. Et toi, non, visiblement. Je te laisse faire, hein. Je te laisse gérer. Hein. C'est compliqué. Oh, te faire picorer la gueule. Oh, j'ai gagné une vie. Ouf. Oh, c'est sportif ce truc, hein. Allez, bim. Oh, un checkpoint. Oui, enfin, il reste deux vies, hein. Il y a une étoile en dessous. Il y a une étoile en dessous, où? Là. Ah oui, là-bas. Aïe. D'accord. Ça fait mal. Ah oui, non, ça fait mal. Bien géré, hein. Oh non! Oh non! Oh non! Quoi? Il va nous rester plus qu'une vie dans pas longtemps! Non, 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 non. Ah, c'est bien, t'as la vie. Eh, on se démerde mieux sur celui-là que sur les autres, hein. Et c'était censé être plus facile. Ah! C'est bien. Mais non, salope! J'ai rien eu! Qu'est-ce que c'est que merde? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? Oh là 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 là! Non! Ah! Ah! Pas trop, hein? Pas trop! Oh. Ah! Ah non, je veux aller sur la terre ferme, moi, bordel! Ah non, putain, il faut aller là! Mais elle est où là, l'étoile que t'avais vue tout à l'heure? Au secours! Surprise déjà! Ah bon? Oh bah d'accord, ça c'est réglé! Oh non, putain, de... va se faire picorer le cul. Non. Oh merde. Bon, démerde-toi. Ah non, je suis encore... Oh, je peux encore revenir... Non, pas de l'autre côté. Vite. Fruit. Oh, salope de guêpe. Oh, non. Ouais. Mais comment on fait pour passer, bordel? Aïe. Et bon, saut. Et merde. Bon bah démerde-toi maintenant. Là j'ai vraiment plus de vie. Et voilà. Tiens, elle est belle. Oh non, je peux pas. J'en ai plus. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Ils ont répondu quoi sur le son? Il y a un sondage, Lou. Ah, il y a un sondage. Vont-ils y arriver? Bah, le sondage est... est fait, hein, je veux dire. Tiens, je mets un bout, moi. Non, 60%. Mince, je viens de lancer le sondage. Oh putain, bon allez, on retente. Ça nous va bien en princesse, comme ça. Alors, vous votez pour le sondage, mais c'est la dernière fois qu'on essaye, là. Si on n'y arrive pas, on rend l'antenne. Oh putain. Oh là là, ça... Ça fait les abdos, hein, de ce jeu. Je peux pas ramasser les pièces pour avoir un maximum de vie. Ah bah tiens, il y a des pièces, là. Mais pourquoi ça a fait ça? Du coup, tu m'as tenu. Bah j'en sais rien, je sais pas.
t'es pas fait exprès. Ah 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 ah. Ouais, il me sert à grand chose le deuxième saut. Ouf, ouf. Non, je me prends celui-là, une pièce. Non. Je veux dire, une pièce fait la différence. Une pièce fait la différence. T'as pas du gain et. Et merde. Qu'est-ce que c'est. Quoi ce bordel. Moi je me casse sans toi, allez. Bon bah ramène ton cul vite. Oh putain, j'en peux plus. Oh de l'autre côté, connasse. Allez go. Je pleure, bordel. Cours vers la droite. Cours vers la droite. Oh le loup, je m'attendais pas à te voir avant la semaine prochaine. La vie. Merci pour le follow, Silver Ghost. Bienvenue à toi. Ah putain, c'est pas possible quoi. Je vais mourir. Non. Ah bah non hein. Je sais pas ce qu'ils ont répondu dans le chat, mais il faut qu'on fasse honneur à notre jeu. On a une réputation. Ah, faut qu'on réussisse ce niveau. Ce niveau est faisable. Ce niveau est facile. C'est pas possible. Mais tout est une question de... C'est psychologique. Oh putain, il a dégueulé sa race, là. Tu vois, si t'es au milieu, ça bouge pas. Bon bah là, oui, c'est sûr que... Oh putain. Oh, c'est pas possible. Bon bah attends. Gros con. Attends, ah, j'ai une erreur de communication. Oh putain. Non, t'as pas une erreur de communication. Oh non. Dommage, Amiro a quitté le groupe. Putain, faut tout refaire. Attends, je suis toujours dans le jeu. Bah t'es oui. Toujours là. Bah... Tu peux pas bouger. Ouais bah non. Donc faut que je quitte le stage quoi. Bon bah on recommence. Oui. Oh putain. Oh la vache. Jamy, tu nous emmerdes hein. T'as fait tout planter. Je suis sûr qu'on y arrive là. C'est une Alora qui a fait planter le... la communication. Oui, oui, c'est Joris Le Six. C'est Fabrice Olson qui a fait planter le stream. Oui je pense ouais. Oui je pense ouais. Bon alors. Oh la vache. Jeu en ligne. J'ai chaud. Créer un groupe sans code d'accès, allez go. Oh putain. Imagine à 4. Oh mon dieu. Imagine à 4 le bordel. À 4. Ouais, faut que tu reprennes le pitch hein, parce que faut qu'on soit sur le même pari. Oui. Baladur, c'est Baladur. Il n'y avait pas un autre personnage à débloquer? Non, je crois que... Il n'y a que Harmony. Pauline, par contre, on s'en fout. Oh bah... Pauline, on n'était pas encore prêt de le... Ah. D'en entendre parler. J'allais dire, tu fais la machine à sous. Tu peux avoir des objets. Fabrice Cotswold nous a lancé une malédiction. Ah oh non, mais prends pas ça. Bah, il nous a dit qu'il avait lancé une malédiction. Non, en fait, c'est comme d'habitude. Bah oui, ça te sert à rien ton truc. Il se casse la gueule de toute façon, les Goombottes. Putain, c'est pas le même bouton pour le deuxième saut, quoi. Ça, c'est dingue. Sérieux? Mais oui. En fait, c'est t'as le bouton saut et le bouton magie, là. Oh non, non. Mais je voulais pas faire ça. Non, il va tomber. Je vais me pisser dessus derrière. Oh là 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 là. Mais normal, hein, Peach avec son gros cul de Tanuki, là, c'est pas possible, hein, tiens pas. Bon allez, viens ici. Qu'on finisse ce stage, qu'on puisse aller se coucher, merde. On peut plus. Oh là, oh là, oh, oh, oh là là, oh. Gumbasas.
Mais j'ai les yeux, mais je... Putain, mais je suis en train de pleurer, c'est vrai. Ah bon je... Mais à droite, connard. Rami. On s'en fout. Ça m'a... Mais prends les étoiles. Mais prends les étoiles. Oh non. Il y a Fabrice qui achète le jeu qui veut nous rejoindre. Mais complètement, complètement. Mais... Oh le bordel. On a plus de vie pour le oh, non, t'es sérieux? Oh putain. Ah bah non, mais là, faut y arriver. On a déjà plus de vie. Ils vont gagner. Ils ont dit non, je suis sûr. Non. Oh, oui, non, mais là, oh là 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 là, suce ta race, quoi. Oh bordel de sale. Oh putain. Non, attends, je prends le... Non. Oh, oh. Merde, et voilà, et voilà. Et voilà, on a perdu Jamie. Oh. Oh putain, attends, j'essaie d'y aller, parce que... Je sens que je me casse la gueule. Ah. Allez. Oh oui. Putain. Ouais, vite. Oh, on n'a jamais été aussi loin. Quoi que si. Vite, prends. Tu gâches, sale Goomba. Ah mais si, on était allé aussi loin puisqu'on était presque à l'arrivée. On n'a plus de niveau. On a plus que dalle là. Attends. Ah, elle va me bouffer le cul. Merde. Oh, vas-y, rejoins. Voilà. Ah. Pas trop. Ah. Oh, ça. Putain, pourquoi ça va vite là? Mets de l'autre côté. Oui. Merde. Ça y est, j'ai plus le truc. Oh là 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 là. Une vie, prends des vies. Prends des plus de pièces que tu veux parce que je suis morte. Ouais, oh putain de merde. Oh bah puis je vais me faire baiser la gueule. Oh et merde. Catastrophe, hein. Ah. Bon bah vous avez gagné dans le chat. Hein. J'en peux plus. J'en peux plus. J'abandonne. Pour ce soir, du moins. Car nous réessayerons la prochaine fois. Hop. Je vais me faire dessus de rire. Oh la vache. Oh non. Mon dieu. Alors bon, ils avaient voté quoi? Ils avaient voté quoi, les gens? Parce que j'ai plus le vote là. Ils ont voté pas bien. Ils ont été méchants. Oh putain, mais j'ai. Oh bordel. Oh la vache, les crises de rire à chaque fois hein, sur ce jeu. On s'amuse bien quand même. Majoritairement non à 70%. J'ai voté oui. Jamy fait partie des trois gars qui ont voté oui. J'ai pas même voté. Pas voté moi, je croyais même pas en nous. J'ai même pas voté. C'est raccord. Bah non mais voilà, si on avait fait un pari... Non. Vous auriez gagné. Je suis en train de crever. Là. Le la temps vache. De sécher nos larmes et de vous dire à bientôt. Eh bien, nous allons aller voir. Cette fois-ci, je vais couper le son parce que je veux pas faire le. Ah, non, c'est bon, il est coupé le son. Je veux allez, pas on fait un canon. Là. Le canon. Ah putain. Alors qui c'est qu'on va aller voir? Écoute, ben, j'ai pas grand joueur. J'ai pas. Et ouais, j'ai joueur du grenier quoi. Prison simulateur. Ah non, je vais pas jouer. Je vais pas faire joueur du grenier. On va passer. Enfin, on va passer inaperçu. Pop. Putain. Il est en train de crever, Jamy là. J'ai failli vomir. Putain. Eh ben, on a Ninist. On va aller voir Ninist qui est sur Mario 64. Ninist qui fait du speedrun. Voilà, on fait un petit raid à Ninist, les amis. Merci à tous d'être passés. C'était vraiment très sympa, on a bien rigolé. Et je vous donne rendez-vous certainement mercredi pour le Club Lourothé avec Interville, à mon avis. Du Interville, ouais, du Fort Boyard. Et puis nous, Jamy, bah, on se reprend une date. Oui. Ça va?
Oui. Oh la vache. On se reprendra une date, puis on se continuera ça un jour, quoi. Bah, merci à tous. Prenez soin de vous, bisous du loup. Et puis, comme le dit Jamy, bonne burrata, mais je te laisse le dire. Bonne burrata. Oh putain, mon jeune ami, j'ai pris un coup de vieux. C'est une ascension qui m'a longtemps fait peur. Maintenant, ça va. Mais qui c'est? Non.